Bonjour, 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 sur RDC Monde, vous êtes sur partout à travers le monde. Nous sommes le samedi 15 février 2020, au pays des PC, 38e anniversaire, il y a existence, il y a Partouana, Tobinéni, Partouana, Banda parmi les 13 parlementaires à l'époque, Tintisiri Mulumba, Kiongwa Kumwanza, Kibasa Madiba, tant d'autres, au Boye Bina, au Totangité, justement, au Nizaika, au Bosch, au Totangité, au Bino, au Sabino, comment est-ce que IDPC Banda qui bat l'État qui bongo contre. Parti État MPR, alors il fallait tout le monde multipartisme. Alors, était ce que Mulumba n'a pas collègue Néanion sur Bazar qui bongo ini pour combattre d'abord dictature et puis mon Babylon qui belé par rapport à Mobutu Bané Kosé Lango. En tout cas, bienvenue encore une fois de plus sur notre chaîne d'actualité, votre chaîne d'information. Oyo Isa coupé sa bongo actualité à Kinshasa, Mokola, Mokolo, Boutoupe Moui, Natongoto, Napo. En tout cas, Bandeau Balandi, nous sommes confiants. Vous avez belé, vous avez coupé cette confiance. Vous avez belé beaucoup de talabis, vous avez belé aussi, vous êtes toujours qu'on s'abonner. Tout ça, vous avez toujours le moro, geste moi, mon pied, c'est plus simple que ça. Vous s'abonner, vous s'abonner, vous s'abonner massivement sur RDC Monde. En tout cas, n'hésitez pas à s'abonner, n'hésitez pas aussi à s'abonner, n'hésitez pas aussi à partager nos émissions. C'est grâce à la présidente RDC Monde, Pauline Lumumba, que nous sommes ici pour justement parler sur le Congo, parler sur les Kinshasa, parler par rapport aux actualités politiques où ils ont dominé la Katamboko Nabiso, au Tribi, qui n'ont pas eu mais toutefois, tout aussi porté, tout côté la tango, tout côté la montambo, cabarchon, c'est-à-dire que ça, la porte, lobby, kuna, tout évalué, lobby, kuna, tout naïe, papa, montambo, ça, la canine, pour l'ambour en abyssou. Kabila fait 18 ans, toutefois, tout au combattre Kabila, il a fait 18 ans. Est-ce qu'à Bongisi Congo, Félix aussi, un jour, les Congolais vont retourner, messieurs, vous avez fait 5 ans, vous avez fait 10 ans, qu'est-ce que vous avez fait pour les pays? C'est ça, la vérité, c'est ça, la vraie raison. Alors, laissez-nous faire des analyses simples, critiques, pour des analyses des salariés. Qui a amélioré le secteur où on a noté à Simbi. Éducation, coup de chapeau, parce que c'est tout le monde, mais d'autres secteurs, beaucoup plus pour lutter contre la pauvreté. Il y a un Congolais qui a causé la pauvreté, tout le monde a un peu changement. Lutter contre le chômage. Il y a un monde qui a été dit, il y a un monde qui a été dit, il y a un monde qui a été dit, il y a un monde qui a été dit, il y a un monde qui a été dit, il y a un monde qui a été dit, il y a un monde qui a été dit, jusqu'à présent, rien ne marche. Il y a un monde qui a pour le chômage. Le chef de l'État lui a répondu, dit oui, naïbi nous soit notre travail peut être petit par rapport à ça. En tout cas, de voilà, dit tout le monde en solo et actualité politique, même si mon collègue Lelo et Zali Bongo Automoni Fondation La Colombe, Fondation La Colombe qui est dirigée par Madame Amida Chatir Kamere, Oyo Azali Bongo, présidente de la Fondation La Colombe, Ati Bongo Sala Don, Nakati à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamaïmo, Api Bongo Don, il y a un groupe électrogène, na Mirmi, na service à pédiatrie. Parce que dernièrement, sur le côté, soit bien, c'est bien que non, Nakati Mamaïmo, place où Api Pédiatrie, Zali, groupe électrogène, Ezate, Kourenze à Malongate, alors, bah, Bele Laki, bah, Le Laki, bah, Salaki, bah, Mamaïmo, Bele, mais tout le monde commence à solution. Amis, par rapport à dame au grand cœur, maman Amida Chatir Kamere Oyo Ayanoli, na ba besoin il y a population, tout a besoin de maman, ba besoin de maman Oyo Maman Yemo, par rapport à Eloko Wamba Sengaki, contenu, y a ba difficulté à courant, Oyo Baza Kolekanango, Boutoupe Moui, Nakatia, hôpital, y a maman Yemo, parce que tu es bakino pédiatrie, et Zali, place Oyo Wapi, Bana Bazali, place Oyo Wapi, Bana Bako Kende, tout Bana Bako Boutama, y a un au-delà de ces générateurs électriques, la patronne de la Colombe, touchée par les conditions misérables dans lesquelles vivaient les patients de la pédiatrie, a payé la facture des dizaines d'occupants longtemps guéris mais retenus par manque de moyens pour honorer leur facture d'hospitalisation. Sur les champs, ils ont été tous libérés. L'hôpital général de Kinshasa présente plusieurs besoins, particulièrement dans son service de la pédiatrie. C'est notamment le manque de matériel des couveuses pour bébés, les extracteurs d'oxygène pour enfants, les lampes avec photographie ainsi que les frigos pour conservation du lait autoclave. Amida Mwangala Kamere, Mwanganza, pardon, Kamere, qui a été saisi de toutes ces difficultés, a promis de venir très prochainement sur les liens avec sa fondation afin de voir de quelle manière il paye. Alors c'est ça, tout ça aussi c'est par rapport il y a Amida. Après un cri de détresse lancé par les gestionnaires de l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamaïmo, au sujet des coupures intempestives du courant électrique occasionnant des morts dans les départements de la pédiatrie, des gynécologies et dans les urgences, la présidente de la fondation La Colombe, Amida Mwanganza Kamere,
est allé faire un don d'un groupe électrogène à l'hôpital général de Kinshasa. Ce groupe électrogène Pimpanef de 80 kVA va desservir la pédiatrie. Les blocs opératoires et l'urgence en cas de coupure électrique finit donc le calvaire qui a duré plus de mois dans cet hôpital. Au nom du médecin directeur empêché, cet engin a été réceptionné par le directeur administratif et financier de l'hôpital Mouawa Ibanda Apollinaire, qui a salué cette œuvre caritative signée par la Fondation La Colombe à travers son initiatrice Amida Mwanganza Kamere. C'est un peu ça les dons que Amida Chature a eu à faire dans quatre hôpitaux. Il y a pédiatrie, les députés nationaux, Ados Ndombasi, ça ne va pas. Il fallait des solutions adéquates, immédiates aussi, pour essayer un peu, il faut du courant, il faut tout ça. Donc Amida Chature ayuka qui des collègues là-bas maman. Mais ce qui est un peu plus grave, c'est quoi, on fait un peu les analyses par rapport à Mbongo ou Amida Chature comme ça pour ça là-bas donc Mbongo là je l'ai wapi. C'est ça aussi les grands problèmes tout bas niveau là ni tout le bien par rapport à Mbongo. On peut dire que non, Vital Kamerhe cité dans plusieurs détournements d'argent, 15 millions et tout comme ça tout le temps, mais aujourd'hui nous voyons que non, Amida est en train de faire des dons par-ci par-là. On peut dire que non, il y a blanchissement d'argent par rapport à l'argent que Vital Kamerhe est cité, ou bien soit Zalim Bonga Fondation, il y a des partenaires, il y a des dons par-ci par-là, ou bien il y a bon qu'on sollicite Moli Soungi et pas Amida Chature, on ne sait pas. Dans tout ça, mais toutefois, on ne veut pas rester là sur place pour un peu essayer de savoir l'origine, mais on a juste à analyser. Mais nous saluons d'abord ces gestes. Pourquoi? Parce que les Congolais, qui n'ont besoin d'un gros bambou, n'ont pas de malamou, si tout le monde les enfants. Alors Amida Chature, avec son cœur, accueillir pour ça la don, accueillir pour assister ma maman parce qu'il est pas allé maman ebi passe robot à bota ebi passe robot à ebi comment est-ce que souli maman pour faire les mots la ning ça la capacité ouana autobien gabongo les douleurs de l'enfant maintenant moi ça bota que ça la capacité alors tout ça à mon gabouti moi et puis après quelques mois faut du courant moi la confie les douleurs de l'enfantement encore au mon qui n'ont écoutez la maman puis ça la malamouti en voilà mida comme une femme courageuse, une femme simple, une femme de conviction, parce qu'elle peut avoir une fondation, mais toutefois, Mbonga Fondation est où Tarawa, puis Maman Amida aussi, il faut parfois faire aussi des conférences de presse pour essayer aussi de relayer sur la population que Mbonga Fondation est où Tarawa, puis Mbonga Fondation est où Tarawa, puis pour éviter aussi que Batanga Rabine, la maman Mobu, et son rôle en Pakala, ou il faut honorer, puis M. Vital Kamerhe, qui est le Dikaba, le chef de l'État, président des républiques, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, geste au moment Amida Sali, la paix geste mon il faut être touché par ma femme et belé, pourquoi pas aussi être touché aussi ma femme et RDC Monde, au Bazali, Baïke, Bako participer pour la construction en Congo. Regardez, Babiloko, au moins si Nabino pas Sali, avec l'initiative, avec courage, avec courage, maman pour le Moumazanango, je demande aussi à toutes les femmes, Yahweh Sungaye, pour te tango, projet bien qu'il ensemble tout au Congo, ensemble aussi tout Tika histoire na Katamboka na Biso Congo, comme les Patrice Emery Lumumba, comme les Laurent Désiré Kabila, comme les Tien Tshisekedi, comme les Cardinal Maloula, pourquoi pas aussi Lobito Lobikuna batanga pe yo pe na Katamboka na Biso, qui non au tirer qui fait histoire par rapport makambozali ko sala ya malamu na Katamboka na Biso bande obalandia ya de ce monde to beta pe sous du solo ya Monsieur Zakari Bababa Sué. Monsieur Zakari Bababa Sué qui est l'ancien député, soit les députés honoraires ya Mboka na Biso, à mettre un peu qu'éclaircir opinion par rapport il y a un point moko au Congolais peut-être à ça rêver tout à ça rêver tout ça, mais c'est Zakaï Bababa Sué abîmé bongo na puissance alors babouye et tes aliboye les députés nationaux honorés Zakaï Bababa Sué a appelé le peuple congolais chacun dans son secteur à travailler pour le développement de la République démocratique du Congo et à éviter les futilités qui n'avancent en rien les pays. En tout cas, dans son exposé intitulé plaidoyer pour une culture nationale en République démocratique du Congo, le notable Kinoa a exprimé clairement sa démarche lors d'un point de presse récemment à Kinshasa.
Pour la CNDP nationale, élue de la circonscription de Lukunga à Kinshasa, les Congolais, ces derniers temps, sont beaucoup plus intéressés dans l'affaire Moïse Mbille contre Eliane Bafeno ou encore de Vital Kamerhe dans l'affaire 15 millions au lieu de chercher à faire l'essentiel pour développer la RDC. Chose qui passe à ses yeux comme de la pure distraction. Là, maintenant, c'est l'interpellation de l'honorable honoraire de Zakaï Barabosso qui interpelle la population congolaise par rapport à un discours à l'autre. Fois, on a même critiqué Kabila, qu'on critiquait Matibele, mais au moins, à ce qu'on a moins sens, il y a réflexion, sens, il y a repère, ça qu'on voit encore une fois les plus courage, il y a se battre et puis il y a retiré ma futilité. Depuis quelques semaines, la plupart des hommes politiques congolais sont dans la distraction. Des députés incapables d'interpeller les ministres sont réduits à des simples journalistes se plaignant. C'est plaignant. Donc, pour lui, il dit que non, d'autres députés, ou Bazali, ou Baki, anciens journalistes, sont incapables d'interpeller le ministre, au lieu de Roussel, au ministère, dans la banque, dans la 4e Assemblée nationale. Alors, il dit que non, on ne comprend pas. Est-ce que vous êtes député, ou soit vous êtes aussi journaliste? Mais c'est Baba Basso qui a appelé les Congolais à un éveil de conscience au moment où les prix des produits des premières nécessités, par exemple, augmentent sur les marchés et la misère grandit. Je demande avec explication au peuple congolais, surtout, aux politiciens et leaders d'opinion de se ressaisir pour se concentrer au travail. Je plaide donc à un apaisement afin d'arriver à une quiétude politique au pays, a-t-il insisté. Le directeur général de DirecTV et du magazine d'information Lingala Facile a demandé par ailleurs à tous les Congolais de venir aujourd'hui, le samedi 15 février, au Stade des Martyrs pour écouter le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'adressera à la nation et aux militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social à l'occasion du 38e anniversaire de l'IDPS et à la célébration d'un an de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Là, c'est toujours M. Zakari Baba Basso ou Yakoubé Tambela na Katambour na Bissou. Le député national Zakaï Baba Basso a indiqué ce vendredi devant la presse que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entretient de très bonnes relations avec son prédécesseur Joseph Kabila Kabange, mais aussi avec son directeur de cabinet Vital Kamerhe. Le coordinateur du magazine Lingala Facile a voulu inciter les rumeurs répandues dans l'opinion faisant étant d'une probable brouille entre les premiers citoyens de la RDC et ses deux partenaires. Ses deux partenaires, c'est Vital Kamerhe et Joseph Kabila. Mais M. Baba Basso estime que la manière de voir les choses du président de la République diffère totalement de celle de plusieurs personnes de son entourage. Alors qu'il déploie ses forces pour réduire les taux de la pauvreté qui ronge la population congolaise. Je trouve que la manière dont le président de la République voit les choses n'est pas perçu de la même manière que son entourage immédiat, alors qu'il a des bonnes idées de faire décoller le pays pour que d'ici 2023, au moins 20% de la population congolaise quitte les seuils de la pauvreté. Alors, je trouve que la manière dont le président de la République voit les choses n'est pas perçue de la même manière que son entourage. Là, c'est M. Zakaï Baba Basso qui dit que non, entourage chef de l'État, Zali Mabé, des chefs de l'État, Mouna Makambou, entourage Néhé Mouna Ngote, Yongo Mouni, que non, plusieurs personnes de l'entourage chef de l'État, Baza Cité, n'a pas détournement, puis n'a pas détournement, il y a des nés publics. Zakaï Baba Basso je pense en outre que le Félix Tshisekedi manque parmi ses proches les gens capables d'accompagner sa vision. Pourtant très bonne, fondée sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Alors, je constate que la vision du président de la République n'est pas portée par son entourage, par ceux qui sont avec lui à l'instar des églises où lorsque qu'un prophète ou pasteur a une vision, il faut qu'il puisse être accompagné par les diacres, diaconesses, les anciens de l'église et les fidèles. Là, c'est M. Zakaï Baba Basso ou à celle qui confiance des presse naïe, à mettre un peu quoi. Pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale par rapport aux défis relevés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, comment on a dit non, entourant les alliés à Malongate, entourant les alliés à Malamouté, entourant les alliés à Propreté. Mais toutefois, il a par ailleurs stimulé la population congolaise à se prendre en charge. Il a besoin de conscience, on a été non, bah, c'est pas me prendre en charge, pas bunda. Au lieu de taille la bongo, bah, bêtise et tout, c'est basé dans les futilités, dossier MBA. De ces billets, purement fertilité. C'est pour cela que la RDC Motomega ou la santé, parce qu'on a vu ça, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Pour cela, Tobi Tsangokara, nous on se concentre de faire des analyses objectives pour que les Congolais à se retrouver, Congolais à avoir conscience, Congolais comme encore plus fort, plus qu'avant. C'est ça que nous avons besoin. Alors, aujourd'hui, le 15 février 2020, le chef de l'État va s'adresser à la nation.
va s'adresser à la population congolaise, tous réunis au stade des Martyrs. Plus de 80 000 places y est réservées, mais toutefois, nous sommes confiants que nous avons plus de 80 000 places par rapport à la grandeur du stade des Martyrs congolais Rosalie-Bélé pour participer à la milieu au chef de l'État à Kouya-Koulouba, à Katsamboka. Toutefois, toujours au tel endroit du chef de l'État Koulouba-Mangambango, à Koulouba-Nini, promet signer à Kopesa, parce que le chef de l'État promet beaucoup. Donc, il y a 9-5 quelques promesses à chef de l'État, sur la sanité. Bah, 9, 5, quelques promesses à chef de l'État, mais au moins 10, soit 10 réalisations seulement. Chef de l'État, on a besoin de la promesse soutenue. On a besoin de concrétisation. Aujourd'hui, peut-être que c'est la vérité, c'est votre coalition, la vérité de votre DL avec M. Kabila, la vérité aussi par rapport à nous autres, M. Vitel Kamerhe était tout autour de vous. Kabila a chassé des gens. À moins que nous directeur ou si Mbaté a bien gagné. M. Vitel Kamerhe citait beaucoup plus de choses. Mais pourquoi Aza toujours ou Anazo Koumela, mais c'est le président de la République. Yoka l'Osamba Congolais, Yoka Mawa Congolais, Congolais Pays aux Sciences Congolais Lingio, Salama Malam, Pote Congolais Bunga. Tout ça a besoin que non, unité Zala, tout a besoin que Kimé Zala, tout a besoin que non, Congolais Alia Malam. Vous nous avez suivi de partout. C'est RDC Monde, votre chaîne d'information, votre chaîne d'actualité. Mes respects à vous tous, nos très chers abonnés. Mes respects encore une fois de plus. Je n'ai pas de maman, où je suis allé partout. Je suis allé à Genève, je suis allé à Paris, je suis allé à Bruxelles, je suis allé à New York, je suis allé à Norvège, pourquoi pas, je suis allé à Chicago. Ici aussi, je suis allé à la ville professeur Kinshasa, où je suis allé à la encore ma toi, je suis allé à la ville, RDC Monde, votre chaîne. Je dis encore merci à la présidente RDC Monde. Là, j'ai cité Madame Paul Lumumba, pourquoi pas, nos journalistes depuis Genève, oncle Jérôme, Jérôme Miguel et Winning Gimbi. Merci à Aristote Mwaka derrière la caméra. Rems Mwamba, la présentation de Tokoteni encore les après-midi pour Nailo Kasika et IDPC, la Katasa des Martyrs. Restez penchés.